L'Impact de Montréal a annoncé jeudi la nomination de l'ancien joueur Patrick Leduc à titre de directeur administratif des opérations soccer du club. Dans le cadre de ses fonctions, Patrick Leduc supervisera les programmes et les budgets de l'Académie du club, ainsi que les opérations du Centre Nutrilait, tout en étant le principal lien avec la première équipe par rapport aux joueurs développés au sein de la structure du club. À titre de représentant de l'Impact, il développera des relations avec Canada Soccer et Soccer Québec. Il s'occupera également de la gestion administrative de la première équipe, notamment de son budget d'opération et de tous les services connexes. Nous sommes très excités que Patrick Leduc se joigne au club à compter du 7 janvier prochain, a déclaré le président de l'Impact de Montréal, Joey Saputo. Patrick a une connaissance approfondie du soccer professionnel moderne, en plus de faire partie de la nouvelle génération de notre sport. Il connaît les activités du club, notre réalité et nos besoins. Son sens de l'analyse sera un atout majeur pour revoir le fonctionnement administratif de nos opérations soccer. C'est avec énormément de fierté et d'enthousiasme que j'entame ce nouveau chapitre au sein de l'Impact de Montréal, a déclaré Patrick Leduc. J'ai eu la chance de porter le maillot du club pendant de nombreuses saisons et d'observer de près l'évolution de l'organisation depuis son passage en MLS en 2012. Je considère comme un privilège le fait de pouvoir participer à l'essor continu de mon club de cœur. C'est avec une grande motivation que j'ai l'intention de m'investir dans les dossiers dont j'aurai la responsabilité, notamment les opérations entourant l'Académie et le soutien à la première équipe du bleu-blanc-noir. Je tiens à remercier Joey Saputo de m'offrir cette opportunité. Nous avons déjà traversé ensemble de grands moments dans l'histoire de l'Impact et c'est avec une ferveur renouvelée que j'entends mettre mes compétences au service du club pour qu'on atteigne de nouveaux sommets dans un avenir rapproché. Détenteur d'une licence B nationale canadienne, il a récemment été analyste de la performance au sein du personnel technique de l'équipe nationale canadienne U20 masculine. Patrick Leduc avait été entraîneur de l'équipe du Canada lors de la Coupe des Nations Danone, de 2016 à 2018, entraîneur adjoint de l'équipe nationale U20 féminine en 2013 et entraîneur de la sélection Les Québécois, lors du tournoi des Peuples et Nations, à Marseille cette même année. Il a également été entraîneur cadre de l'Association régionale de soccer de la Rive-Sud de 2008 à 2011, étant notamment directeur du sport-études au Collège français et des concentrations soccer, de même que directeur du Centre de développement régional. Patrick Leduc a fait ses débuts avec l'Impact en 2000 et a disputé 222 matchs de saison régulière, dont 163 départs, et a annoncé sa retraite de joueur professionnel en 2011. En tant que milieu de terrain, il a marqué 10 buts et effectué 16 passes décisives. Il a également disputé 22 matchs de séries éliminatoires et a aidé le club à décrocher les titres de 2004 et 2009. Il a aussi disputé 3 matchs avec l'équipe nationale canadienne. Après avoir joué son soccer amateur avec la Brossard et le FC Select Rive-Sud, l'ancien joueur du bleu-blanc-noir a évolué avec l'Université Fairleigh Dickinson, au New Jersey, dans la NCAA, où il a été nommé joueur le plus utile à son équipe en 1998 et 1999. Analyste des matchs de soccer de la Coupe du Monde 2018, de la Ligue des champions de l'UEFA et de matchs de l'Impact et de la MLS pour le réseau des sports depuis 2011, il poursuivra son mandat jusqu'au 1er janvier 2019.